aussi sur cette information qui est tombée dans la journée. Elle concerne le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, qui a été hospitalisé vendredi après la victoire des Lions de la Teranga contre le Cameroun. Les nouvelles sont plutôt rassurantes. Selon la Fédération sénégalaise de football, Aliou Cissé, qui a été placé en observation une nuit à cause d'une infection gastrique, mais le sélectionneur sénégalais qui a pu retrouver son équipe dans la journée. On va passer pour terminer au programme de ce dimanche, et le choc du jour, ce sera cette affiche entre le Maroc et la République démocratique du Congo. Les Lions de l'Atlas qui peuvent valider leur billet pour les huitièmes de finale. Ce sera à 15h heure de Paris, puis dans le même groupe, la Zambie affrontera la Tanzanie. Les Tanzaniens qui viennent de changer de sélectionneur, on le rappelle, en pleine compétition après des propos polémiques de leur sélectionneur sur le Maroc. Et puis, derby en fin de journée dans la soirée entre l'Afrique du Sud et la Namibie. Voilà pour ce programme. On